terminer parce que c'est l'heure, les amis, du quiz musical. Et duel. Quel quiz musical hein. Et quel quiz musical, parce qu'il va s'intituler cette semaine Chambara Cocktail, donc un beau quiz consacré aux épéistes, aux lames, avec, je ne sais pas si c'est votre délire, mais notre ami PJ a fait deux belles équipes, d'habitude qui sont rouges et bleues, cette fois-ci c'est Team Samouraï et Team Algérienne. Donc zéro respect, on voit qui sort de Dragon Ball Super Broly, hein, c'est bien. Jonathan est assassiné. Donc la mort du respect, hein, bien sûr. Donc on rappelle le concept de nos petits quiz. C'est donc 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Team Algérienne, Grégoire et Johan. Team Samouraï, Charlie et Jonathan, pardon, je me retiens. Bref, on est parti pour le premier morceau. Les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs, bien. Bien, les 7 samouraïs. Effectivement, le thème principal, la ritournelle. On montait un petit peu le son, effectivement. Fumio Ayasaka, qui compose le thème principal des 7 samouraïs, sorti en 54. Super. Un petit peu moins fort sur les enceintes, s'il te plaît. C'est parti pour le deuxième morceau. 1-0 pour l'équipe algérienne. Samouraï Champloo, c'est bon. Non, c'est bon, Samouraï Champloo. Voilà, très bien. Ah non, mais là, donc, c'était direct. Tu allais dire j'étais quoi? Parti sur Ghost Dog aux premières notes, je sais pas pourquoi. C'est le côté hip-hop, quoi. Hip-hop, justement. New Jabez et Shingutsu qui nous interprètent Battle Cry, qui est l'opening de Samouraï Champloo, animé de Shinichiro Watanabe au sein du studio Man Globe. Voilà, sorti en 2003-2004, si je dis pas de bêtises. Un partout, troisième morceau. Bleach, bien. Alors, j'ai eu peur là. Non, c'est bon, ils vont trouver quand même. Bleach, oui, effectivement. Premier opening, oui. Premier opening par Astérisque, par tu as l'interprète, tu l'as. Ah, c'est ils ont fait aussi le sixième de Naruto, je sais plus. Orange Range. Voilà, merci. Orange Range, donc Bleach, manga de Taite Kubo, hein, voilà, inénarrable shonen qui laisse parler les sabres à défaut de développer ses personnages. boum. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'était ça. Gratuit. C'est un excès technique très intéressant. 2-1 pour les équipe Samouraï, et c'est parti pour le quatrième morceau. C'est un jeu vidéo, vous l'aurez deviné. Okami ? Ce n'est pas Okami. On dirait, hein, la musique. Équipe Samouraï. Hein. Je compte sur toi, là. Ce n'est pas. C'est un jeu vidéo sorti sur Neo Geo. J'étais pas né. 5, 4, 3. Indice, c'est un jeu de SNK, c'est un jeu de baston. King of Fighters ? Ce n'est pas King of Fighters. Un jeu de baston de SNK sorti sur Neo Geo en 93. Pensez très fort à la thématique de l'émission, il y a un nouveau jeu qui sort cette année, issu de cette série-là. Et ils l'ont tous sur le chat, là. Ne les regarde pas. Ils l'ont tous. Bon, allez, je vais zapper le point, là. C'est pas possible. Oui, je pense qu'on a tous perdu. Bon, alors, c'était Samouraï Showdown. Ah, bah oui. Samouraï Showdown, composé par Shinsekai Gakoku Zatsukidan, qui est donc le petit sobriquet du grand groupe de tous les compositeurs et toutes les compositrices de SNK. Le thème principal, Stillness and Motion, donc qui renvoie évidemment à l'immobilité et à l'Iaido qu'on a dans les films, étant donné qu'il était possible de tuer ses adversaires en un seul coup, si je dis pas de bêtises, qui est poussé d'ailleurs beaucoup plus loin dans Bushido Blade. Petit cœur pour ce jeu trop souvent oublié. Donc pas de points cette fois-ci, on reste à 2-1. Donc le dernier morceau pourra peut-être solder l'émission sur une égalité. C'est parti pour le dernier morceau. Kill Bill. Kill Bill, bien. Oh, ah là là, une note quoi. Kill Bill, il l'attendait, il l'a eu. C'est un point extraordinaire cool, pour le dernier point, il compte double, non? Le dernier point, il... Déjà, t'as pas dit volume 1 ou 2, alors. Hein. C'est le volume 1. Oui. Retard, bah. Voilà, bon. En même temps, il me semble qu'il le considère que comme un film. Donc. Oui, c'était, ouais. Ce sont les deux volets d'un seul et même film. Donc, Battle Without Honor or Humanity, composé par Tomoyasu Hotei, pour le premier film Kill Bill, signé Quentin Tarantino en 2003. Et ce n'est absolument pas le...
absolument. En fait, si vous aviez dit téléfoot, j'aurais donné moins 1. Voilà. Mais... ou j'aurais donné plus 2, je sais pas. Enfin, j'aurais été clément ou extrêmement cruel. C'est donc une égalité parfaite. On va régler ça à l'IAIDO, du Shifumi si vous voulez bien. C'est pas très radiophonique, mais il faut un gagnant. Donc, qui se dévoue de chaque côté? Charlie, ok. Johan, très bien. Shifumi. Non, vous avez Shifumi. La team samouraï l'emporte à l'emporte Shifumi. Ciseaux contre feuilles. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop and Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.